Donne-nous à boire. Ah, t'es de plus en plus belle, ma jolie. Je te dis que c'est après toi qu'il en a. Autrement, pourquoi il aurait demandé qu'il commence par l'entrepôt? Et ils seront bien sus si jamais ils viennent demander la clé. Non, tu vas pas faire d'histoire aux soldats. Eux, ils n'y sont pour rien, et puis tu finiras en prison. Pour Buffalo Bill, bien sûr, c'est différent. Lui, il est colonel sans armée. Il y a moins de risques. À la tienne. À ta santé. Merci. Moi, je trouve que cette idée de perquisition, c'est vraiment insultant. Attends, je vais aller le trouver. Non, bouge pas, ça te regarde pas. C'est mon affaire à moi. Hé, hey, les gars, vous sentez donc pas que ça pue le buffle là-dedans? Qu'est-ce que vous avez donc dans le nez, alors? Ça pue le buffle et l'indien. J'ai jamais senti une odeur pareille. Hé, hey, Franck, donne-moi un whisky. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? La salle est réservée aux blancs. Allez, fous-moi le camp, je veux pas voir ta sale gueule. Sam, quand on ne supporte pas le whisky, on boit de l'orangeade. Allons voir à ton entrepôt, le capitaine Hunter te cherche. Il perquisitionne chez toi. Il vaudrait mieux que tu y sois. Et pendant ce temps-là, tu cuvras ton whisky. Laissez-les se battre tous les deux. C'est une affaire qui ne concerne que Bill et Big Sam. Comme ça? Sam, donnez-moi la clé de l'entrepôt. Ah oui, vous voulez faire une perquisition? J'ai rien du tout à cacher, moi. Alors allons-y, venez. À part une bagarre, c'était réussi. On voit ça trop rarement.